Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur les Simpsons, je vais vous montrer comment installer le mode que je vous ai parlé hier sur la vidéo. Donc ça prend un maximum de temps pour avoir tous les personnages, avoir un maximum de thunes. Sur les Simpsons, moi j'ai mis, donc je l'ai fait dans la nuit de dimanche à lundi jusqu'à 3h du matin. Donc je l'ai installé vers 22h jusqu'à 3h du matin, vous imaginez un peu, c'est un peu long. Donc tout simplement j'ai acheté plein de terrain et tout. Tout simplement en fait. Il vous faut installer le mode, donc désolé. Vous allez voir, c'est très simple comme ça. En fait, vous pouvez avoir tous les personnages et tout. Je vais vous dire pourquoi j'ai installé le mode. Tout simplement, oui. J'ai installé ce mode parce qu'en fait, j'étais au level 50. Et comme aux Simpsons, j'ai joué pratiquement plus parce que j'avais plus de tablette. Et du coup, je pouvais plus jouer. Donc, du coup, j'ai regardé des vidéos comme ça sur YouTube et j'ai trouvé le mode. Je voulais l'installer et je l'ai bien fait, bien sûr que bah, j'ai récupéré les mises à jour que j'ai pas pu faire, tous les personnages que j'ai. Vous voyez là, ici, j'ai 129 missions à faire. Donc voilà, c'est vraiment assez cool. Vous avez vu, c'est tellement grand que j'ai vraiment tout agrandi. C'était pas grand comme ça. J'avais pas vraiment tout ça. Donc du coup, j'ai supprimé mon village et je l'ai refait. Donc j'ai rien perdu. On peut supprimer en faisant ça. Je vais vous montrer juste vite fait. En faisant ça, puis la petite boule, vous pouvez supprimer tous les trucs sur la map. Bien sûr, tout va être placé dans l'inventaire. Donc là. Comme vous avez vu, j'ai tout placé, j'ai tout modifié. Il y a des endroits, c'est pas fini. Comme vous pouvez voir là dans le coin, c'est pas très 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 fini. Donc, bref, aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger les deux liens. Pour ça, il vous faut bien sûr, ça marche bien sur Android, ça marche pas sur iPod, donc iPhone, je pense pas, je sais pas si ça marche sur les appareils comme ça. Tout simplement, il vous faut un compte sur les Simpsons, donc un compte bien sûr pour vous connecter. Si vous avez un compte, si vous avez un compte sur les Simpsons avec un mot de passe, il faut l'avoir, c'est très simple, parce que sinon ça va pas marcher. Donc parce qu'il faut désinstaller le jeu et le réinstaller avec l'application, vous allez comprendre. Donc quand c'est comme ça, vous quittez le jeu. Vous allez bien sûr dans les paramètres. Donc moi je sais pas. Attendez que je fasse pas de bêtises. Donc voilà, on va dans les paramètres. Donc voilà, vous allez dans application, je crois c'est. Non, c'est. Non, non, attendez, j'ai pas de bêtises. Je vais pas vous montrer la connexion. Application. Non, je sais plus si c'est. Mince, attendez, excusez-moi. Hop. Il y a un petit endroit qu'il faut aller. Il faut le faire glisser. En fait, c'est pour installer le mode. Sinon, vous pouvez pas l'avoir. Alors, je sais plus c'est dans quoi. Si je retrouve, je vous dirai ça en commentaire, mais je sais plus dans quoi qu'il faut aller. Je crois que c'est dans l'application. Gestion des applications, non, je pense pas. Application par défaut. Non, c'est pas ça. C'est dans notification. Affichage. Si vous trouvez pas, je vous dirai ça en commentaire, vous inquiétez pas. Donc il faut aller dans les paramètres, si vous savez c'est quoi, c'est pour installer le mode, sinon ça marchera pas, ça va vous le bloquer. Donc voilà, vous supprimez les Simpsons comme d'habitude et on va aller sur les deux liens. Donc j'ai regardé sur une vidéo d'un youtubeur que j'ai c'est où j'ai trouvé. C'est grâce à lui, donc du coup je mettrai sa chaîne dans la description et vous voyez son nom, je sais plus c'est quoi. Donc j'essaierai de trouver aussi son nom de sa chaîne. Donc c'est très simple, il faut télécharger le premier lien qui est là. Donc ça va télécharger le jeu. Vous inquiétez pas, ça mettra un axe de temps, donc moi je le fais pas. Dès que c'est téléchargé, vous faites oui. Je crois c'est oui ou un truc comme ça. Ça va le lancer. Et après il faut faire jouer. Donc ça va vous faire apparaître sur les Simpsons. Mais vous inquiétez pas. Juste après, dès que vous êtes les Simpsons, il faut pas commencer à jouer. Dès que vous avez installé les Simpsons, tout simplement, vous quittez le jeu. Vous quittez le jeu et vous téléchargez le deuxième lien. Le deuxième lien, il faut le télécharger parce que c'est avec ça qu'il va marcher. Donc vous le téléchargez, ça va prendre un max de temps aussi. Après vous faites ouvrir, je crois, c'est ça. Ouais, ouvrir pour les deux. Donc pour les deux, ça fait ouvrir, vous inquiétez pas. Et dès que vous l'avez ouvert, après ça vous envoie sur le jeu, je crois, je sais plus. Dès que ça vous envoie sur le jeu, vous avez le mode. Donc vous allez par exemple dans le truc pour construire, vous allez voir, il y a tous les. Tout comment ça s'appelle, tout l'argent et tout. Donc voilà, je me réexplique encore une fois pour les personnes qui n'ont pas compris. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Donc vous allez dans les applications, vous supprimez le jeu que vous avez installé avec du coup avec Play Store. Vous le supprimez. Vous allez dans les paramètres, vous cochez le petit truc que je vous ai dit, mais je sais plus c'est quoi le nom, je regarderai et puis je vous dirai ça dans les commentaires. Vous le cochez. Vous allez sur les deux liens que je vous donne, bien sûr. Vous téléchargez le premier lien, vous le faites
installer. Donc celui-là, là, vous faites installer le premier lien. Dès que vous l'avez installé, ça va marquer ouvrir. Vous l'ouvrir. Il faut l'ouvrir le lien. Dès qu'il est ouvert, le lien, tout simplement, vous allez. Ça va vous lancer les Simpsons, ça va vous demander votre âge. Et en bas à gauche, vous pouvez tout simplement vous connecter avec vos comptes comme vous faites d'habitude. C'est très simple, mot de passe. Vous allez voir, vous allez retomber sur votre village. Et après ça, dès que vous êtes sur les Simpsons, vous touchez à rien, mais à rien du tout. Vous quittez le jeu, vous revenez dans le deuxième lien, vous prenez le deuxième lien. Et c'est avec le deuxième lien, c'est là où vous allez faire tout simplement. Pareil, vous l'installez, ça va prendre du temps. Il faut avoir de la place sur le téléphone ou la tablette. Et vous allez voir, ça va marcher. Vous faites pareil, vous faites ouvrir. Et dès qu'il est ouvert, vous avez cliqué sur ouvrir le fichier. Ça va vous remettre le jeu. Et tout simplement, après, ça va marcher. Vous allez voir une image du modeur avec abonnez-vous à sa chaîne ou je sais plus quoi. Et dès que vous avez cliqué dessus, vous allez sur les Simpsons et ça va vous faire un carré vert avec un personnage jaune, je crois, ou je sais pas quoi, un gros personnage un peu bizarre. Vous faites OK et après ça veut dire que le jeu est modé. Donc tout simplement, vous allez dans le truc de construire, vous allez voir les donuts, c'est marqué gratuit ou je sais plus quoi. Vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va monter. Moi j'ai envie de vous dire, ça marche, donc venez pas me dire dans les commentaires, ça marche pas. Je l'ai fait pour Miss Superflo, ça marche très bien. Donc je l'ai fait pour moi-même sur ma tablette, donc ça marche. Donc me dites pas que ça marche pas, ça marche. Donc du coup voilà, j'espère que vous allez réussir. Si vous avez réussi, dites-moi-le dans les commentaires. Partagez la vidéo à vos amis sur les réseaux sociaux pour les personnes qui ne savent pas comment faire. Ça peut vous aider. Et tout simplement, si vous voulez que je vous présente vos villages sur les Simpsons, dites-moi-le aussi en commentaire. Donc du coup, j'espère pour vous c'est clair. N'oubliez pas de laisser un gros j'aime et un commentaire si vous avez réussi. Si vous avez des soucis, il n'y a pas de soucis. Moi, je peux refaire une vidéo pour vous y expliquer. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye, peace.